Typiquement, on est arrivé à la rivière Métawishish. On est content. Mais le plaisir est comme de courte durée quand on voit que la rivière Métawishish coule de l'autre côté, en sens inverse. Donc, il faut remonter la rivière sur 34 km. Ça pourrait être ça le plan. Faut qu'on soit actif en estime. On n'est pas encore convaincu. Oh, got it! Parce que Mathieu arrive comme dans 3 jours. Il arrive le 25. Salut! On a repris une décision. On va aller se faire un voyage de pêche, man. On va s'installer comme the best. Puis on va pêcher, je pense. Puis on va faire un peu de canot dans ces petits lacs-là. Parce que la rivière est comme pas remontable. En tout cas, ça se pourrait, là, mais on a peur. C'est ça, on a peur de rater le rendez-vous avec Mathieu puis d'arriver, mettons, une journée plus tard. Ouais, on a hâte de canoter, nous autres. Ça va? Là, il doit être 7h, puis on vient de finir de souper. Copieux repas, spaghettis à la viande. Mathieu, c'est un peu plus louche, mais bon, il a l'air satisfait. On se contente de peu. Puis on pagaille aujourd'hui, gros vent sur des lacs. C'est comme ardu, on a attaché Mathieu à l'arrière parce que il avait de la misère à y arriver. Comme bien été, mais là, on avait de la misère à se repérer sur les cartes. On s'est rendu compte que, je sais pas, on a navigué pendant environ une heure et demie dans une section qui n'était pas illustrée sur la carte. C'est spécial. C'est comme un petit oubli qu'on trouvait. On avait hâte de savoir où on était. On s'est repéré sur GPS et tout, ça allait, on était sur la bonne voie, mais. Fait que sur notre carte, genre petit détail, il manquait une heure et demie de baguette à mi-valeur. Well, the river runs deep and the water is cold as ice. The river runs deep and the water is cold as ice.
C'est ça. Fait que ça démontre bien l'étendue de notre île. Mathieu. On a eu une grosse journée des R4, des Seuil 4, du portage, de la cordelle, des beaux rapides, des beaux R3 avec beaucoup de plaisir. on a eu du fun. Il y a quelque chose qui se cache là, on va aller voir. Hey! Faut les effaroucher quand ils sont rendus à ce stade-là. On est en train de regarder la journée pour demain. On attend que nos pâtes Alfredo soient prêtes. À Marco qui cuisto! Le chef Marco qui va vous faire la cuisine. On va faire un plat italien. Ce sont des pâtes Alfredo. On ne peut pas les faire avec les fettuccini parce que ce n'est pas disponible. En expédition, on fait des portions correctes. On pense que c'est correct. Mais on devrait vraiment faire plus correct. Oui, parce qu'on est toujours des affamés. On vient finir de manger, on se dit, qu'est-ce qu'on mange? Parce que là, on peut rien y faire. Je mets la portion de sauce Alfredo. Je vais étouiller un peu. Avant de prendre feu, voilà. C'est ça parce que là, j'avais mis ça à ail. J'avais mis ça dans la panne. Alors là, il y a touillé les pâtes pour arriver à quelque chose de pratiquement homogène. Mais c'est quand même bien les moutons, hein. Ça change de naturel. C'est naturel, c'est doux, là, tout à coup, tu manges, c'est délicat, c'est bien équilibré. Tout à coup, boum, tu prends le mouton. Là, ça fait une boule de saveur, hein. Ça explose, et puis... C'est bon, il y en a qui détestent ça, mais moi, quand ma mère laissait des petits moutons de patates dans les patates pilées, il adorait ça, trouver les moutons. Il est comme souvenir que mes soeurs et moi, on cherchait le mouton régulièrement dans les patates. Alors, on est pratiquement prêt. On a plus les fines herbes. Hein. Louis, hein, vous entendez Louis? Écoutez bien. Chut. Voilà. C'est ça qu'on recherche quand on touille le maracone. Et puis, tu entends la sauce délier, mais restez bien connectés ensemble. C'est le produit qu'on va avoir. Justement, dans ma tablette ici, il y a déjà un plat de prêt depuis longtemps. Oh, et voilà, j'ai trouvé le maracone. Alors, on va le servir. On va connecter un petit peu. Si nous n'avons plus de poivre, c'est pas important parce qu'ici, sur les plages, il y a toujours du sable. Le sable. Alors ça fait le même effet que le poivre qui est mal concassé. Le plat se déguste premièrement avec les oreilles. C'est comme ça qu'on fait dans ma famille chez moi. Et voilà, ça donne ça. Alors bon appétit et une prochaine émission à Marco Di Cristo. Man, t'as fucking pogné un doré de la mort. Sérieux? Yeah. Contrer l'épuisement de la journée, ben on a mac and cheese, bacon, extra fromage, extra parmesan, extra bonheur, extra c'est le fun. On paye pas pour les extras. Ouais. Non, puis tant qu'il n'y a pas payé pour les extras, on s'est tapé un portage de 50 cm. Hey, le matin du jour 13, on se réveille un matin, puis... On a vu un ours avec son bébé, au bord de la rive. Au bord de la rive, c'est le fun, c'est très beau. C'est un beau spectacle. Hier, en finissant de manger, regardez sur le GP recevait un message là, sur le téléphone satellite et on a reçu un message pour moi, parce que c'est mon frère qui m'écrivait, puis qui me disait que on a un vieux chien à la maison, fait que
c'était le temps pour notre chien de partir. Donc c'est ça, une petite journée de deuil pour moi en fait, mais c'est sûr que ça touche les gars aussi là. Fait que... Ouais, on s'est dit qu'on voulait partager ça. Puis ça a été pluie aussi ce matin, il y a plu toute la matinée là. On va partir, mais... On dirait que le soleil veut sortir. Mais c'est... Ouais, c'est spécial d'être loin, en voyage, avec tout ce bonheur qu'on a de partager ça, de vivre ça, cette expérience. Puis le message hier était quand même... c'est une nouvelle qui est difficile, mais le soutien des gars, puis l'ambiance fait que c'est... Ça fait partie de la vie, puis... Je pense que ça fait apprécier encore plus l'instant d'être ici. Puis le bonheur qu'on a, tout le... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, une belle pensée pour mon chien Safran. Ça envoie dans l'arrière-plan. C'est pour ça. Il fait un bac. Il fait des manœuvres. Il a fait des manœuvres, tout ça. C'est beau, bravo, prospecteur. C'est bon. On commence à voir du monde. On est rendu au chute de la Chaudière. Alors, on n'a pas fait beaucoup de rencontres à date. On a eu Pierre et Nancy dans leur chalet qui nous ont accueillis. Mal plus haut sur la du chef puis qui nous ont offert le café avec à l'intérieur près d'un poêle, très apprécié. On a rencontré aussi Nicholas Porter et sa copine Alice et leur chien. Ils ont partagé des belles histoires puis vraiment des belles rencontres, des gens simples, des gens trippent sur ça. Là, on est parti en amont quand même. On est parti 200 km au nord du Bougamo. La personne n'y avait rien. Des fois, la rivière est calme, des fois, c'est des lacs, des fois, c'est des chutes. Une puissance inouïe, là.
on peut pas faire autrement que respecter la rivière après. On la voit vraiment d'un autre œil. J'imagine qu'il faut être là pour vraiment le sentir d'un trip, là, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est une section où on veut pas rater le portage. Ma mère, elle serait pas contente. En tout cas, on a du soleil. Ça fait une semaine, c'est pas beau. On a arrêté hier aux chutes à l'ours. On a rencontré encore bien du beau monde. On est arrivé à l'accueil puis il y avait Maude Marie qui nous a vraiment bien accueillis, super gentil. On a pu faire charger les caméras et des trucs. Puis en tout cas, super sympathique. Puis on a croisé aussi Guy. Guy Renaud! On va se rappeler de ce nom-là, Guy Renaud. C'est pas le cousin à Ginette. Mais en tout cas, on lui a fait une petite demande spéciale. Ben non, c'est même pas vrai. On lui a pas fait de demande. Il nous a offert quelque chose de spécial, puis il nous a apporté un petit paquet cadeau ce soir. Et il savait pas, mais il est tombé dans notre table. On était contents. On était super contents. Ça fait du bien. C'est comme une petite chaleur. Il y a du monde qui disent que au lac, ce qu'il y a de particulier, c'est l'accueil du monde. C'est vrai. Hey, nous, on est resté 2 jours de canot, pas plus que ça. Fait qu'on partage un petit peu. We'll be right back.
devrait arrêter aux chutes à Michel aujourd'hui. Ça a l'air qu'il y a des vagues à surf. On va aller voir si on peut surfer ça un petit peu. If it's one of those days when it all goes wrong, one of those weeks, one of those years, when all you can do is sing that one sad song and soak in your own tears, just grab a hold of me. Grab a hold of me, and we'll both go down together. If you just grab a hold of me, and maybe you're lost in a deep dark dream, feels like you don't stand a chance. And maybe you've fallen down through the seams. You wanna wake up, but you can't. Or just grab a hold of me, grab a hold of me, and we'll both go down together. If you just grab a hold, yeah. Demain, on devrait arriver dans le lac Saint-Jean. Comme la fin du périple. On a été comme dans le sauvage pendant longtemps, jusqu'aux dernières minutes. Là. À la petite chute à l'ours, on est arrivé. C'était encore sauvage, on dirait qu'on avait croisé juste quelque chalet. Puis on est arrivé en dessous d'un viaduc avec des flots qui passaient et tout ça. Dur retour à la réalité. Mais, en tout cas, on passe encore du bien bon temps. Il reste un peu de canot à faire. C'est pas fini.